Salut mec, comment vont les grosses bordel? Alors, les gars, aujourd'hui, bon, je vous laisse écouter cette petite musique sympathique. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Hier, les gars, bon, qu'est-ce qui s'est passé? 2 sur 4. 2 sur 4, la Ligue 2, je vous avais dit, c'est pas le top. Voilà, on perd 2 matchs. On en gagne 2 de l'autre côté. Donc, si vous étiez malin, 5% de mise. Et on perd pas d'oseille, normalement. Aujourd'hui, les gars, j'ai 2 bombes atomiques. Et 2 matchs de Première Ligue. Premier match, les gars, West Bromwich, Swansea. On va jouer sur le nombre de buts, les mecs, 1,5 buts. Je pense que c'est plus raisonnable. C'est deux équipes qui sont plutôt pas mal. Pas mal de buts. Niveau du classement, pas forcément d'enjeu. On a West Bromwich qui est dernier du classement. Swansea 15e, voilà, ça joue, c'est propre. 1,5 buts, ça devrait passer sans problème. Ensuite, Everton-Liverpool. Liverpool, ils ont intérêt à gagner ce match-là. Pourquoi? Parce que Manchester City et Man United qui se rencontrent, donc le haut de sommet. Si Manchester United perd ce match à l'extérieur, Liverpool, s'ils gagnent leur match, ils passent deuxième. Tout simplement. Mais il y a Salah apparemment qui a eu un petit coup à l'aine. Il est incertain. Il est incertain blessé, mais il peut jouer. Ah, Allen, c'est chaud quand même. Mais bon, bref, Liverpool doit absolument gagner ce match-là. Il n'y a pas photo. En plus, la cote, elle a augmenté. Elle est pas mal. Elle est 1,92. C'est donné pour Liverpool. Alors, espérons que le reste du banc fait le travail correctement. Donc, voilà les mecs, les deux matchs anglais. Et là, j'ai 2 bombes atomiques qui viennent de tomber. Les gars, vous pouvez miser gros là-dessus. Voilà, vous pouvez miser gros là-dessus, les gars. Moi, je vous l'ai dit de suite. Reims, Le Havre. Alors, on va me dire, oui, mais Reims, ça y est, c'est plié, ils sont en Ligue 1, malalala. Reims va faire le taf à la maison, c'est très costaud, mais il va faire le taf. Cote 1, 1,72, les mecs. Donc, 1,72, cette cote, elle est donnée. Reims, ben, c'est, tout est au vert, c'est flamboyant, c'est excellent. C'est tout ce que tu veux. Reims gagnant sec, les mecs, 1,72. Mettez gros là-dessus, grosse confiance. Et le deuxième match, c'est Angers-Strasbourg. Angers à la maison. Angers 13e, Strasbourg 16e. Écoute-moi, moi je pense que Strasbourg à l'extérieur, c'est pas folichon. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 perdus, 1 match nul. Angers, c'est plutôt bien, ça revient costaud. Les 4 derniers matchs, bon, à part les 2 matchs amicaux là, qu'ils ont eu... Sinon, ils ont gagné Caen 3-0, ils ont gagné Guingamp 3-0. Guingamp, attention, c'est une belle équipe quand même. Donc moi, je vois Angers gagnant sec, 1,72 de la cote aussi, je crois que c'est. Si vous combinez ces deux matchs-là, ça vous fait une belle cote, les mecs. N'hésitez pas, 1,80 la cote. Angers-Strasbourg, donc mettez ces matchs. Grosse confiance là-dessus, les mecs. Et puis voilà, bon week-end à tous. Rendez-vous sur Snapchat, je mettrai quelques matchs fun avec des cotes à 5 et à 6. Voilà les gars pour aujourd'hui, la bise à tous, ciao, bye bye, ciao.